Pete, what's in the barrels? Fish food. Pete, whatever this is, can I ask you not to do it? I'm gonna get that shark, one way or another. It's just that this thing's unnecessarily destructive. I mean, it's just one shark. There's a whole ecosystem. One shark? That killed my boy. Pete, look, I understand. Wanna keep tugging on this knot, you? Septième épisode, dans Main Hunter, on s'attaque à encore vous cétacés et changement une nouvelle fois de région. Cahier à caviar, c'est ici que notre aventure va nous emmener. Alors avant d'atteindre notre nouvelle région, petit regard sur notre ultime évolution. Alors là on devient gigantesque, on fait 9 mètres de long et on arrive à avoir... cette taille une fois qu'on atteint le niveau 30. Tout de suite, je vous montre ça. Full shark hunt for the people of Port Clovis. The shark is now a mega shark, often referred to by scientists as the 64-ounce gas station soda of large marine predators. Là, on est devenu un sacré bestiau. Neuf mètres de long, waouh. C'est qu'une bouchée de nos adversaires, hein. It's here in the grotto that the shark can discover the absolute serenity deep within her soul. Bonne mission. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sea turtle numbers have exploded. Bad news for seagrass, great news for orcas who enjoy torturing and eating them. Là, c'est des tortues qu'on va grignoter. Ça va aller vite. Alors ce qui est bien dans les tortues, c'est qu'elles donnent des cristaux bleus. Oh, un orque. 30. Waouh, waouh, waouh. Elle vaut mieux être armée. On va aller l'affronter, lui. Petite introduction, on parlait de... Tiens, comment il m'a envoyé Valdingue. Sea turtle numbers have exploded. Bad news for seagrass, great news for orcas who enjoy torturing and eating them. J'ai l'impression qu'il y a les petits machins qui me... Les petits requins qui viennent m'embêter. Waouh! After years of eating the same meal of frozen herring at Fish Fingers, Casanita just wants her favorite comfort food, raw shark liver. Noir et blanc, et plus mort que mort. Détruire la cible. Ah, voilà notre adversaire. Oh là là, niveau 35. Moi qui pensais être fort, mais là j'ai trouvé mon maître. Hein. Déjà que tout à l'heure je trouvais que la confrontation était pas simple. Oh bordel. Puis j'ai pas mon truc de protection là. C'est vrai que j'ai pris le dessus là. Esquiver.
C'est moi qui l'ai fait gicler cette fois-ci. After years of eating the same meal of frozen herring and fish fingers, Casanita just wants her favorite comfort food, raw shark liver. C'est nous qui avons le dernier mot. I catch three of them killer whales, they got their fish fingers. You could say I got a real keen eye for talent. Although, the wheelers really gotta work on those side aerials. Sympa le parc d'attractions. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Hein. Ah, par contre, j'aurais dû prendre ma spécialité amphibie. Ça m'aurait aidé. Port Clovis, making it dangerous for anything that swims. I catch three of them killer whales, they got their fish fingers. You could say I got a real keen eye for talent. Although, the wheelers really gotta work on those side areas. The Hoosier Hotshot, Ensign Tyler Dixon. On va s'occuper de lui. Throwing caution to the wind, the big fish escalates its battle against Port Clovis. On a besoin de monter à 6, hein. Most disreputable citizens have converged on the area. The corn-fed colossus, Butcher Boy Raiden. On va s'occuper de lui. Lucine, il a de la dynamite, lui, carrément. Tomber dans l'eau et je l'aurais épargné. Ah, il était sur le bateau de pêche. Hein. Prochaine mission, Salambine. Un bassin de cette taille ne peut accueillir qu'un certain nombre de tortues au mètre carré avant de se transformer en égout à ciel ouvert. Fait 4. Putain, énorme celle-là. Il y a un requin aussi. Oh, c'est fou là.
Il n'en reste plus qu'une. Et voilà. Humans' attention spans are short. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Prochaine mission, coquillages et crustacés. Encore une fois, il va falloir faire du nettoyage chez nos amis les tortues. Attaquer le requin, mais bon, enfin les requins, et eux décidément veulent m'affronter. Encore une fois, on va se faire une petite plaque. Quatrième. Alors, prochaine étape, tuer le prédateur suivant. Orcas, once the featured attraction at marine mammal parks, now have a new favorite trick, killing things. Déjà venu ici, hein. Il va être niveau combien? J'ai un peu peur. The white and black attack. The orca. Allez. 72, non? 40. Oh, on se détend, lâche-moi. Récupère un peu de vie. Foiré, putain, j'ai pas vu venir. Encore réussi à le choper comme des fois je les chope sur le côté et je les croquouille. The killer whale's four dozen large conical teeth can be dangerous to an impetuous bull shark. On va reprendre de la vie là parce que. Voilà, c'est ça qu'on aime voir. Orcas, once the featured attraction at marine mammal parks, now have a new favorite trick, killing things. Le diable et le grand bleu. Alors dans ce huitième épisode, il va falloir atteindre le niveau 50 de la région Le Golfe, bien sûr trouver la grotte et puis une série de missions. Pour tout ce qui est niveau level et niveau de croissance, on est déjà, on a déjà atteint le niveau demandé. Donc là, nouvelle ère de jeu, c'est ici que ça se passe. Suite de notre aventure, donc au niveau du golfe et de sa caverne, c'est juste là. The ocean is a source of life, inspiration, and eternal renewal. But mostly it exists to be exploited and commodified. Wow. Oh, l'attaque! Je voulais pas spécialement me friter avec lui. Avec un arrière. A quiet space is the ideal stage for the shark to meditate and harness her pure potentiality. Pouvoir l'améliorer une dernière fois, non ?
Et voilà, on a tout le set pour faire la guerre. Première mission, tout est bien, cuit bien. We've had some real bad fish kills because of these oil tankers spilling. What brings a lot of money into the economy. Can't argue with that. Hunger is a driving force for the bull shark. Dévorer 5 humains. Les petits plongeurs. Ah ouais, c'est des chasseurs. To ensure the safety of the public, a bounty has been placed on the fugitive shark. Some real bad fish kills because of these oil tankers spilling. C'est fait. But it brings a lot of money into the economy. Can't argue with that. Petite plaque, la première de la région. Prochaine mission. The insatiable sperm whale needs to eat over a ton of food every day, which here in the Gulf mostly consists of hammerhead sharks. Essayer d'éviter les cachalots, hein. L'idéal, c'est de se les faire un par un. To eat over a ton of food every day, which here in the Gulf mostly consists of hammerhead sharks. Objectif. With 24 karat gold fixtures, two discos, circular staircases, and a mosaic swimming pool, the Chatelaine is still only Port Clovis's second most ostentatious yacht. De sang yacha là. J'aime bien les jeux de mots. Qu'ils soient pas déjà pété leur bateau là. As more people take up hobbies like swimming, fishing, surfing, flow riding, and kayak polo, the number of shark-related fatalities increases precipitously. Je sens qu'il y a un bug, j'arrive plus à les mordre alors. Sharks are more inclined to attack boats in areas not typically frequented by swimmers. With 24-karat gold fixtures, two discos, circular staircases, and a mosaic swimming pool, the Chatelaine is still only Port Clovis's second most ostentatious yacht. Dommage, je les aurais bien éclatés les deux gros là. Bon, allez, on s'en va. Prochain objectif, ce sera ici.
est reparti pour nos... notre série de requins marteaux. C'est plus facile quand c'est des tortues, hein, ça va plus vite, hein. Mon dieu, mais combien ils sont... Alors c'est vrai que les requins marteaux sont connus pour se déplacer en bande. Je vais avoir une crampe au doigt, hein, mon dieu. Ils auraient pu nous en faire plus que ça. Voilà. Les yeux écarquillés, on continue avec les requins marteaux, décidément. Ils aiment ça. On les massacre. The shark hunters have arrived. Soon we will see them in action, and quite possibly discover which one of them stole my car stereo. Oh, we have a major shark situation. Hey, who wants to find it? On va essayer de les choper un par un. Si c'est très faisable. Dès qu'on a le chopin, on s'éloigne. Il y a le père cachalot qui veut participer à la fête. At Flamingo Joe's. Allez, tuer le prédateur. Back in the good old days, the world practically ran on sperm whale oil. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. The cetacean assassin, the sperm whale. Alors, il a quel niveau? 50? 60! Oh putain! Wow! Ah ouais, il a pris cher déjà. Pas trop aimé mon coup de nageoire, ça l'a bien mis dans les vapes. Ran on sperm whale oil. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. Prochain objectif, aller voir Pete. Et c'est ici que ça va avoir lieu. Pete apporte les touches finales à sa nouvelle machine de mort terrifiante et clairement illégale pour toute usage civil.
Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. So you found me. So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. What you gotta be scared about? You a shark? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But when some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat before I kill you too. The f*** I say! Hope you got a hunger on! We serving shark étouffée tonight! Pete has built an impressive battleship. But will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Attaquer Pete et son navire d'attaque de la Seconde Guerre mondiale remis à nous. C'est ici. Confrontation finale, oh là. Waouh. Il y a des torpilles. Ah ouais, c'est la tête chercheuse en plus. Comment je fais pour l'attaquer là? Il va me falloir de la vie régulièrement. Et je sais que je peux lui faire mal. Ah, je l'esquive. Parti. Putain de plongeur. C'est sombre hein, dans les profondeurs, c'est bien fait. Bon, il est où mon ami là? Ils sont bons dans ce petit bateau là. Merde, en forme. Et les bateaux des chasseurs. Need a
moins. Il est où notre ami? Wow. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Ça aurait été sympa que notre ami requin survive, mais bon. Bah moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Bon, même si à la fin, le gameplay est assez répétitif, ils n'ont pas réussi à apporter de choses nouvelles. En tout cas, le côté RPG, compétences, est plutôt bien fait. On a vraiment envie d'améliorer notre requin, donc ça, c'est plutôt pas mal. À partir du moment où on arrive quasiment à avoir tout amélioré, surtout quand on récupère tous les objets partout, bah c'est là où le jeu, on se dit qu'il aurait pas, enfin il faut pas qu'il dure plus longtemps parce que c'est vraiment trop répétitif. En tout cas un bon jeu, sympa, c'est frais, ça apporte quelque chose de nouveau et puis c'est assez sympa de jouer les requins. Only here can the shark discover the miracle of self-love. Et donc une fois qu'on a terminé, on peut bien sûr aller partout pour farmer l'ensemble des derniers objets. Moi, il me reste forcément la dernière zone et puis retourner dans la baie de la langouste. Là, on a commencé notre aventure. Voilà. Eh bien écoutez, en espérant que ce jeu vous a plu, que ce soit en forme de let's play ou que ça donne envie d'y jouer, moi je vais continuer un petit peu, puis je vais continuer, c'est un truc